Bon, visiblement, ça, c'est le colis de tonton propre, de AliExpress. Je vais le vérifier après. Je ne sais pas trop si c'est tout d'un coup qu'ils ont envoyé, mais bon, on verra bien à l'intérieur. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour la toute première fois, je vais faire un haul. Un haul sur les achats sur Temu. Je ne sais pas si on dit Temu ou Temu. Mais en tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà le gros paquet. Comme vous avez pu voir le détail au début de cette vidéo. Donc, il s'agit de 50 articles commandé par mon frère depuis le Cameroun sur le site Temu. Donc il m'a partagé sa liste de courses et je suis partie sur l'application et j'ai fait le paiement ici en France et je viens juste de recevoir la livraison, c'était hier. Donc je vais ouvrir pour voir ce que ça donne en espérant que ce soit de bonne qualité. C'est la première fois que j'achète des choses sur Temu. Je ne sais pas si on est Temu ou Temu. Bref, on va voir ça. J'ai l'habitude avec Amazon ou AliExpress, mais Temu, c'est la toute première fois. Voilà, ce sont les articles divers. Il y a un peu de tout pour la maison, pour s'habiller. C'est un peu varié. Par contre, ils ont emmailloté vraiment de façon très compliquée. Alors, comment je fais ça? Je vais faire comme ça. Voilà. Je suis juste ça peut-être. Le trou qui est déjà là. Voilà. Alors, donc, premier article, un bracelet, un petit bracelet comme ça. Deuxième article, une casquette homme de couleur bordeaux avec un joli logo dessus. Ensuite, on a ça pour coller sur la voiture pour la sécurité, c'est fluorescent. Ensuite, j'ai ça, une paire de tongs. On ne voit pas très bien. Je vais ouvrir pour montrer. Donc, c'est une paire de tongs comme ça. Et en détail, ça donne ça. On dirait du cuir, hein? C'est comme du cuir. Et puis, la semelle est assez souple. Ça a l'air vraiment... ça doit être confortable. Et le cuir est tout souple et agréable au toucher. L'intérieur comme l'extérieur. Espérons que ça se soit bon. Bon, il n'y a pas de logo cuir. C'est plutôt le triangle, mais bon. Je ne sais pas ce que ça donnera. Moi, personnellement, je ne mets pas ce genre de chaussures. Si ce n'est pas tout cuir, semelle intérieure ou extérieure,
parce que souvent ça fait sentir les pieds. Ça fait sentir des pieds parce que c'est pas du cuir, donc ça n'absorbe pas la sueur et les peaux mortes. Donc je préfère pas. Bref, c'est sa commande. Il verra bien. Si ça lui plaît, tant mieux. Donc voilà. Alors, le prochain article, je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne sais pas si je peux ouvrir proprement. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. C'est des petits anneaux comme ça. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert. Chérie, tu connais ça? C'est un plastique souple comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, j'ai juste partagé son panier sur Temu. Je n'ai pas cherché à savoir tout ce qu'il avait commandé. Et là, un porte-monnaie. Alors, là, semble-t-il, c'est une pince. Une pince, une sorte de sécateur pour le jardinage. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah là, poivrier. Attends, duo. Ouais, c'est ça. Salière poivrière. Pour mettre à table. Et là, c'est les gens de ficelle raffia. Ou fil de raffia. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est marqué quoi? C'est même pas. C'est tout en anglais. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est, on dirait, des boules de lavage pour la machine à laver. Je ne sais pas trop. C'est ça. Et là, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'image. Il n'y a rien. I don't know what it is. En tout cas, je suis sûre que les 50 articles y sont. Hein, parce que le sac est plein et je n'ai même pas fait un dixième encore. Encore un bracelet. Et là, c'est une sorte de manette de robinet pour le tuyau d'arrosage. Quelque chose comme ça. Et là, pareil, c'est pour le bricolage. Ah, ça, c'est quoi déjà, chérie? Ça me dit quelque chose. Ça, là. C'est pour le siphon. Pour attraper les objets avec une pince. Ah oui, d'accord. Au bout, ça fait une pince. Ah, pour attraper les objets avec une pince. Et ça, c'est une paire de semelles pour les chaussures, à mettre dans la chaussure. Paire de semelles. Et ça, c'est une autre casquette, toute blanche, Legend, avec un autre logo. Et là, on est sur... Ah oui, ça, c'est grappe d'eau, ça. L'espèce de petite fourchette, petite pelle pour se gratter le dos. Voilà. Avec... En fait, c'est extensible. Hein. Quand je vous montre, c'est très ingénieux. Ça ressemble à ça. C'est télescopique. Voilà. Quand ça gratte, ça fait ça. Crac, crac, crac. Ah, ça fait du bien. Chérie, regarde, ça fait du bien. L'espèce de gratte d'eau là. Ouais, un télescopique. Et c'est tout léger. On dirait de l'inox. En plus, ça fait effet stylo. Donc, on peut l'accrocher comme ça, par exemple, sur sa chemise, sur sa poche. C'est pas mal, c'est pratique. Ou dans son sac. Ça évite de le perdre. Ça, c'est des belles petites idées. Hein. Ça, c'est, on dirait, les articles de... Du concours l'épine, chérie. C'est vrai, hein? Alors, ensuite, on a quoi? Ça, je sais pas ce que c'est. Franchement, attends. Alors, no idea. Et c'est même pas détaillé. C'est ça là, on dirait, je sais pas ce que c'est, franchement, on dirait des petits sifflets. Ça se ressemble au sifflet, mais je suis pas sûre. En inox. Tu veux voir, chérie? Pour mettre sur la voiture, pour peut-être. Les animaux. Ah, peut-être. Ça, c'est un t-shirt blanc.
Vraiment, ma main tombe au hasard dedans. Hein. C'est... Et là, un autre t-shirt. Oh non, c'est tout un pull gris. Franchement, ça a l'air d'être de qualité. Hein. Je sais pas trop, chérie, ce que tu en penses, mais le pull là, il a l'air d'être de qualité. Le tissu, il a l'air d'être bon. Et le t-shirt aussi, c'est du coton. Coton classique. Et là, une autre paire de semelles. Voilà. Ça, c'est sûrement pour ses enfants. Là, c'est tout petit. Après. Ça, c'est quoi ça? No idea. No idea. Vous connaissez ça? Moi, je ne sais pas ce que c'est ça. Dites-moi si des articles vous parlent. C'est bizarre. Ça, c'est pour coller sur la voiture aussi. Tu dois être fluorescent également. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est terrible parce qu'ils ne mettent jamais le nom de l'article sur l'emballage. On dirait une sorte de brassard ou coudière. Je sais pas, genouillère, je sais pas. I don't know. Et ça, c'est un ruban adhésif de bricolage. Anti, je sais pas quoi là, non? C'est quoi déjà? Et ça, c'est pour une ventouse, pour, sûrement pour la voiture. Pour redresser les carrosseries. Pour redresser la carrosserie. Okay. Un autre bracelet. Pareil pour les enfants. Parce que c'est tout petit. Et c'est coloré. Après, un autre bracelet. Cette fois-ci un peu plus costaud. On dirait de la pierre. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Tu peux t'asseoir là, on ne te verra pas. Là. Alors, après, oh, j'ai sorti ma chaussure. Ah, c'est une chaussure genre plastique pour travailler. C'est trop mignon. Ça s'appelle comment déjà cette marque, ce style? Et Bentley, les Crocs. Crocs, parce que c'est en plastique, mais le style. Oh, je me rappelle plus. Les Dockside, voilà, les Dockside. On aime trop les Dockside au Cameroun. Donc, c'est ça, les Dockside en Crocs. Ah, c'est pas mal ça. Pour travailler, pour traîner à la maison, au chantier, avoir les pieds protégés. Voilà. Je découvre en même temps que vous parce que j'ai vu à peine le détail des articles dans le panier de Timou ou de Temu. Donc j'ai juste cliqué sur payer et j'ai réglé ma carte bleue. C'est tout. Ma fille n'était pas trop d'accord parce qu'elle a peur Elle a peur que ma carte soit. Mon compte soit piraté parce qu'apparemment Temu aurait des problèmes. Moi, j'y connais rien. Une autre casquette. Mais c'est dommage parce que les casquettes, ils ne les protègent pas. Ils ne les protègent pas. Du coup, c'est tout ratatiné. Je ne sais pas trop si ça va. Oh là. C'est tout ratatiné là. Donc, c'est la troisième casquette. Troisième casquette, une rouge, une blanche, une grise. Ensuite, on a un autre t-shirt blanc avec un motif. Il a l'air de lui aussi. Après, qu'est-ce qu'on a? Encore un t-shirt blanc, encore en coton, avec un joli motif. Motif différent. Mon frère a fait son shopping, hein, c'est génial. En plus, tout ça n'a pas coûté cher. Hein. 171 euros, je crois. Oui, c'était ça, 171 euros. Alors là, on est sur un pantalon jogging. Un peu épais. Je vois pourquoi il a pris un truc épais comme ça. Pour le Cameroun, ça va chauffer. C'est un peu... Il donnait chaud. Hein. Encore des vêtements. Un t-shirt. T-shirt blanc à motif bleu-blanc. Encore des crocs, des crocs, mais des crocs différents cette fois. Ah, c'est bien scellé là. C'est bien scellé. Tu veux voir les articles? Tu passes de ce côté là, tu veux. Alors, oulala, là c'est
bien emballé. Hein. C'est des crocs. Des crocs pour la maison, pour rester à la maison. Quand on ne veut pas trop abîmer ses chaussures ou être à l'aise. Quand on veut chiller. Voilà, les jolis crocs comme ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça a l'air d'être vraiment léger et souple. Touche. Ça a l'air léger et souple. Attention, hein, tout ça. Et là, le plastique pour garder la forme. C'est ce genre de plastique que j'aurais dû mettre sur les casquettes là. Parce que les casquettes sont en train de se ratatiner. Ouais, t'as vu, c'est bien, hein? Ça a l'air bien. Mais ça m'étonne quand même. Ah, 46! Ça n'a pas l'air, hein? C'est du 46. 46. Des bateaux. Des bateaux. J'essaie d'attacher proprement cette fois-ci, que ce soit plus facile à détacher. Voilà, deuxième paire de crocs. Ça, c'est une casquette. Voilà, je fais ma petite boutique. Boutique de Old Timon. Boutique de Old Timon. Et ça. Alors, encore un t-shirt. Encore un t-shirt. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, on dirait un fouet. Un fouet de cuisine. Non, l'eau, c'est. Tu sais, toi, ce que c'est? J'ai jamais vu ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Bon, normalement, c'était à tonton propre de déballer ses cadeaux, mais moi, je voulais quand même assurer que tous ces articles soient arrivés à bon port et en bon état. Ouh, c'est quoi ça, chérie? Ça, c'est pour enlever les peluches. Pour enlever les peluches? Les vêtements. C'est vrai? Mm-hmm. C'est marrant. Oh! Ah oui, je crois. Oui, mais c'est sûr. Moi, je l'ai en plus gros. Ah oui, d'accord. Ça vibre. Non, ça vibre pas quand il est juste. Oui, on sent la vibration quand même. Qui tourne. C'est fou. Ouais, il faut rajouter les piles. Les piles, ouais. Ah, il y a sa prise. Ah, c'est un. C'est une prise avec une prise USB pour charger. C'est pour la laine, pour faire des piles. Ouais. Ah, c'est vraiment, je t'ai dit, les concours, les piles, quoi. C'est vraiment des petites idées pratiques. C'est bien pensé. Hein. Et même en plus gros. Hein? Et même en plus gros. En plus gros, d'accord. Non, donc ça se présente comme ça sur l'emballage. Alors après, on ferme proprement. Encore des vêtements. Ah, les chaussettes. Oh, ça a l'air d'être bien, hein, chérie. Et la livraison était rapide quand même, hein? Mmh. Ah oui, ça a l'air d'être bien, de la qualité, regarde. Belle souplesse. Si, je te jure. Belle souplesse. Ah oui, coton, oui, c'est vrai. Et la stan, c'est sûr. Là, je vais regarder la composition. Parce que ça a l'air joli et c'est doux. C'est très doux au toucher. Ça doit être confortable à porter. Alors, je vais marquer quoi? Non. S'il n'y a pas de détails sur le truc, peut-être sur une chaussette. Non, il n'y a pas d'étiquette sur les chaussettes. Non, il n'y a pas d'étiquette. De toute façon, il y a coton et élastane, mais je ne sais pas quelle proportion. Voilà. Ouh, ça, c'est des boxers. Des boxers. De slip on. Oh, c'est mignon, c'est sexy. Oh là là. Il y en a combien? Il y en a 2, 4, 5. 5 slip on. En tout cas, c'est joli. C'est un beau coton. Au toucher, c'est très agréable. Coton élastane, le genre de texture que j'aime. Oh, ça pourrait me tenter, hein, d'aller faire mes courses si tu m'ouvres.
parce que la livraison est rapide. Le site fonctionne très bien. Ce n'est pas du tout compliqué à utiliser. Et ensuite, la livraison est rapide. J'ai commandé... On est le 10 août. J'ai commandé 10 au retour du pèlerinage ou avant le pèlerinage? Juste avant le pèlerinage, oui, juste avant le pèlerinage. J'ai commandé peut-être 1er août. 1er... Non, on est parti quand? On est parti le 3 août. Oui, j'ai commandé peut-être le 1er août, ouais. Et c'est arrivé hier. Hier, c'était le 9. Voilà, c'était le 5 juillet. J'ai trouvé que c'était très rapide. Alors ça, c'est une sorte de tapis. Peut-être sorti de douche, je suppose. Parce que ça a l'air très doux. Bon, l'emballage est scellé, je ne peux pas ouvrir. Je pensais qu'il y en avait deux, mais en fait, il y en a qu'un seul. C'est peut-être pour la voiture, non? Pour la voiture. Ah oui, pour s'asseoir. Parce que c'est assez spongieux. C'est trop bon, je peux toucher. C'est très doux. On dirait du silicone, en fait. On dirait du silicone. Ouais. Sûrement pour s'asseoir. Pour adoucir les fesses. Alors, ça, c'est quoi? Boîte de pansement. Ben, tout est arrivé ratatiné. Ben, c'est normal, hein? Pas facile. Parce qu'ils ont mis dans un sac. Ils auraient pu mettre dans un carton, quand même. Ça, c'est le petit bémol hein, de Timou. Ils auraient pu mettre dans un carton. Ça aurait été un peu plus en bon état. Tout est arrivé écrabouillé, là. Le sac était tout ratatiné. Et là, la boîte de pansement ne ressemble plus à rien. Dans les pansements, ça arrive comme ça. Il y en a plein dedans. Il y en a plein. C'est très classique, quoi. Rien de spécial. Ça peut être sympa et facile pour les enfants parce que des fois, les petites choses comme ça, mine de rien, ça coûte quand même cher au Cameroun. Hein. Les petites choses comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Bandage. Voilà. Après. Kézako. Je sais pas, je vais pas ouvrir parce que je sais pas. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi ça? Une lampe, tu crois? Voilà, il y a des petites pièces comme ça. Ah, c'est comme une mini boîte à outils. C'est une mini boîte à outils, regardez. Avec son tube. Je sais pas ce que c'est comme outil, mais il y a plusieurs pièces. Il y en a 6. 2, 4, 6. C'est marrant. Ça, ça ressemble à une petite pelle à pour écureuil. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour les ongles, pour le nez, pour les oreilles, j'en sais rien. Ça aussi, c'est bizarre. C'est trop mignon. Et puis, Mimi, on dirait des trucs de Barbie. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça vient dans un tube comme ça. Et le couvercle se visse. Et on peut l'accrocher à son porte-clés ou l'accrocher sur un... Voilà, c'est un peu suspendu sur un mur. Donc, ça va dans la salle de bain, par exemple. Donc, je reviens dans sa petite pochette. Alors, après, au suivant. On a encore un petit truc fluorescent, sûrement pour la voiture. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une paire de ciseaux. Là, je ne peux pas ouvrir, parce que si j'ouvre, je vais détruire l'emballage. Ouais, ça ressemble à une paire de ciseaux. On est presque à la fin. Ça, c'est... on dirait une scie. Est-ce qu'on peut ouvrir? Désolée, tonton prof. Je suis très curieuse. Si je peux ouvrir, j'ouvre pour regarder. Et puis après, je compterai les articles pour savoir si on en a 50 ou pas. Ah ouais, c'est ça, je m'en doutais, c'est une scie. Une scie comme ça. T'as vu, chérie?
Je sais pas trop si c'est solide, mais oh, ça a l'air solide quand même. Tu vois? Non. Je te donne, tu regardes. La lame, oui. La lame est molle. Je sais pas à quoi ça va servir. Et puis il y a comme des lames de rechange. Peut-être qu'elle avait des lames pour le bois. Je sais pas. La lame pour le fer, elle est toute petite. Ah oui, il y a des lames de rechange. Il y a différentes lames peut-être. Oui, c'est plus des lames pour le bois. Ça. Ouais, c'est la même lame. C'est pour le bois. Oui. Mais quel bois, c'est tout petit. Couper quel bois. Non. Petit comme ça peut être grosse, c'est des grosses dents, ça peut pas être pour le fer. C'est bizarre. Non, pour le fer, non. Mais bon. Je pensais peut-être pour le plastique. Oui, bon, après, le plastique bois, ouais. Hein. C'est bizarre. Donc voilà, ça arrive comme ça, avec ces trois lames de rechange. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà. En fait, je fais le haul de quelqu'un d'autre. Je ne jette la marchandise de quelqu'un. Voilà. Parce qu'on a le reste. Il nous reste deux articles. Après, on va compter ensemble. Ah, un autre bracelet. Il y en avait pas mal de bracelets dans sa commande. Et là, une sorte de rouleau de ruban. Ruban de bricolage, peut-être des trucs moins isolants là, non? Le ruban. Ouais, pour l'électricité. Alors, on va compter ensemble les articles. Je mets d'abord les grosses pièces en dessous. Voilà. Ça fait un. Ah, attends, non. Il n'y a plus rien, c'est vide. On va mettre d'abord les grandes pièces. Ça fait une. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, si je mets tous les habits, ça fait huit pièces. Comme ça qu'ils auraient dû faire normalement. Mettre les habits au fond. Ils ont mis tout en face. Ça fait huit pièces. Tout ça, ça fait 9. Même ça, je vais même mettre avant. Ça, ça fait 10. Pièces. 11. Les crocs. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, la paire de chaussures en cuir, 20, 21, 22. On va voir si je suis doué pour moi. 23, 24, 25, on a l'impression que c'est fini. Donc tout ça, ça fait 25 articles, 26, 27, oh je vais mettre un peu de scotch là, je vais même donner le, non, ça va. Je vais même donner le scotch chérie. Le petit scotch que... Ah ben non, bouge pas. J'ai le scotch de mes cartons ici. Pas fait exprès. C'était juste là. Le scotch de mes cartons pour le transitaire. Vlog à venir, vidéo à venir. C'est un coup. Les marchandises pour Véro Bazar. Voilà. On avait dit 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 49, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ah oui, ça fait 50. Avec les trois casquettes, ça fait 50. 47, 48, 49, 50. Et voilà le travail. Voilà, 50 articles bien emballés. La première fois que je me fais livrer autant d'articles en une seule fois. Donc voilà, on va pouvoir refermer justement le profil de mon ruban. Pour bien clôturer ça. Et, ah voilà, voilà ce que j'aime pas sur ce truc. À chaque fois, ça place. On veut faire comme les enfants. Ah, on est au bout du rouleau, littéralement. Voilà, donc on scotche pour protéger le sac pour pas que les articles se renversent. Et puis on va mettre de côté. Du coup, je ne sais pas si ça partira dans mes valises pour le Cameroun ou si je mets dans les colis du fret. Hein, chérie, qu'est-ce que tu en dis? On peut partir avec, non? Dans les valises. On met dans le colis du fret, c'est mieux. Je me disais que ça va prendre la place dans les valises. Hein. Ça va prendre la place. Non mais pas que ça va prendre la place. Ça va prendre du temps avec le fret. Ça va prendre la place dans les valises comme ça. Vu qu'on n'a pas grand chose. Oh c'est fini. Vu qu'on n'a pas grand chose à ramener dans nos valises, la plupart des choses partent par fret. Du coup. Et voilà le colis. Voilà, Timou reconditionné. Merci Timou. Voilà, maintenant tonton propre attend son colis avec impatience. Je lui ai envoyé cette vidéo et il va voir lui-même ce qu'il a commandé. Ah, il y a deux petites choses. Attendez, ne bougez pas. Je me suis rappelé d'un truc. Alors, ça. En plus de ça, il y a ça également. Commande, devinez quoi? Amazon. Parce qu'il avait commandé deux autres articles sur Amazon. Donc, un produit de nettoyage ou de brillance pour sa voiture au Cameroun. Alors, ça s'appelle Ultimate Shampooing Ultimate. Megayers. Ça donne envie, hein. Et puis il y a ça aussi. Ça c'est, vous verrez dans le détail des articles que j'ai mis en début de vidéo. Ça c'est l'espèce de protège-chaussure. Enfin non, c'est pas protège-chaussure. C'est pas déjà serré quand on met dans la chaussure pour éviter que la chaussure ne se froisse. Oui. Je sais plus. Ben, c'est vrai que ça quoi. Vous avez vu ça sûrement dans la liste au début de la vidéo. Donc voilà, ça et ça. Les colis de Tonton propre le blanchisseur de leur pomme de Véro Bazar. Donc si vous avez le linge à laver étant à leur pomme, n'hésitez pas de me contacter. Les tarifs sont très très compétitifs. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. C'est pas grand chose, mais au moins j'ai découvert les articles de Timou, j'ai fait l'expérience de Timou. Et je pense que je vais continuer parce que les articles sont de bonne qualité. Franchement, de bonne qualité. Donc voilà, je vous recommande ça aussi. Et puis, j'espère que tonton propre sera content de ces articles. Voilà, ça va arriver en janvier, parce que pour l'instant, on n'a pas encore prévu d'aller au Cameroun. Prochain voyage, l'année prochaine. Donc, ça va attendre. Soit ça part avec les colis d'expédition, soit ça part dans nos valises. Mais bon, dans nos valises, ouais, c'est lourd, hein. C'est mieux dans le colis, hein. Parce que ça pèse, hein. C'est au moins, peut-être... 10 ou 15 kilos, hein, ça fait au moins 15 kilos, c'est lourd. Et ça aussi, ça pèse. Donc, je pense que ça partira dans les colis d'expédition avec d'autres marchandises. Voilà, voilà, mes amis.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, dites-moi. J'ai encore un haul à faire sur mon retour du Cameroun. Oh mon Dieu. Plein de vidéos à faire. Je sais pas comment je vais en sortir. J'ai le haul à faire. J'ai le séjour, un autre long séjour au village. Deux séjours au village à poster, à monter et à poster. J'ai un haul de mon retour du Cameroun. Parce que toute la précédente vidéo que j'ai faite sur mon retour du Cameroun, c'est juste sur le voyage en lui-même. Mais le haul de mes bagages, j'ai tout filmé. Je n'ai pas encore posté. C'est toujours là, dans les tuyaux. Bref, il faut que je fasse ça. Donc, vous aurez ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, de partager, de vous abonner, donner un avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, restez connectés. Parce qu'il y a toujours des belles choses à venir. Ma chaîne est pleine d'informations. Si vous aimez la construction au Cameroun, vous avez de quoi faire. Si vous aimez les voyages en France, en Europe ou au Cameroun, il y a de quoi faire. Si vous aimez les recettes, j'en ai des recettes. J'ai plein de vidéos dont ma chaîne est une chaîne généraliste sur ma vie. Voilà, je vous montre ce que je peux vous montrer et j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous massivement, partagez, donnez vos commentaires, vos avis, comme je dis toujours. Ici, on est comme à la maison. Pas de chichi. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Mouah, mouah, mouah. Cœur sur vous tous. Que le Seigneur Dieu vous protège. Que la Vierge Marie veille sur vous. Amen. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la vie. Voilà. Bye bye. Ciao.